Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce deuxième épisode de mon let's play de ma nouvelle série sur le jeu Mountain Blade with Fire and Sword et je vais essayer enfin de me sortir de la galère dans laquelle je suis actuellement, Donc ce que je vous propose, on va aller se refaire une santé parce que là vraiment on est tout pourri. Donc bon, on est niveau 4, ok. Bon par contre j'ai plus d'armes à distance évidemment, je me suis fait défoncer. Du coup, ce que je vous propose, on va essayer d'aller choper un camp de mercenaires et on va s'équiper d'unités. Donc pour ça, voilà, pas aller trop vite. Voilà, on va aller à ce camp de mercenaires ici. On va rencontrer le capitaine des mercenaires. On va engager des soldats. On va engager de l'infanterie. Sachant que j'ai quand même pas mal de thunes, ça devrait aller. Là ça devrait aller. Ça coûte quand même super cher. Les armures, tout ça, ça coûte quand même très cher. Je veux juste voir combien on en est. Parce qu'il faut quand même que je m'en occupe après. On est à 24 sur 76. On va quand même en redemander. Ok. On dirait que ça coûte de plus en plus cher. Ok, on va partir avec ça parce que la 37 ça suffit, sachant que c'est 200 la semaine. Voilà, donc maintenant on a une belle petite armée comme il faut. Bon, pas énorme non plus, mais suffisante. On va faire des missions. On va continuer à faire des missions parce qu'il nous faut engranger pas mal d'argent, augmenter notre réputation et ensuite essayer de devenir vassal. Avez-vous un travail pour moi? Je peux pas le faire. Nia. Ouais, ça, il faut l'éloquence, mais... Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. L'éloquence, mais sauf que, bon, je suis nul en éloquence. Du coup, on va aller voir ailleurs. Ah, des déserteurs, ouais. On va se méfier, parce que, bon, des déserteurs, il y en a quand même beaucoup. J'ai pas envie que mes petites unités se fassent défoncer toutes seules. Alors, avez-vous un travail pour moi? Oui, je suis désolé, je peux pas aider à résoudre les problèmes de guerre. Je suis qu'une petite, équipée de 37 personnes. Ça va être un peu compliqué pour moi de gérer toute une guerre tout seul. Je vais essayer de faire un épisode un peu plus court que la dernière fois parce que ça m'a pris quand même 4 heures de rendu et près d'une journée de upload. Du coup, on va essayer de faire un peu plus court pour celui-là. Mais oh, mais arrêtez de me filer cette quête, moi je veux faire autre chose. Non, Smolensk est assiégé, on va aller voir la forteresse de Riev. Alors, est-ce que t'as un travail? Mais oh, mais je veux pas ça. Je veux pas cette quête-là, elle est nulle. On va aller voir à Smolensk, hein, si elle est toujours assiégée. Non, ça va, en fait y a personne. Ah par contre y a pas de... Ok d'accord. Je regarde s'il y a personne. Ah, des fermiers. Une bande de brigands. Ok. Ah, c'est Zamoshai. Bon, on va aller aider Zamoshai. Voilà. 21 rebelles. On va voir. Oula, oula, il y a du monde. Voilà, à la limite. On peut essayer, hein. Où qui sont? Allez, demandez de me suivre. Ah, ils sont là-bas. La question, c'est est-ce qu'ils ont des armes à feu ou pas? Oui, ils ont des armes à feu. Ok. Aïe, oui. Ah non!
justement pour éviter ce genre de choses. Aouh. Oh la vache. Ok, mes compétences augmentent. Par contre, je me fais un petit peu rarasser la gueule. Ils sont en train de se faire déchirer. J'aimerais bien tuer quelqu'un histoire de gagner un peu d'XP. Je crois que je vais jamais y arriver en fait. Bon bah voilà. J'ai tué personne. Bon, j'ai fait aucune perte par contre. Quelques talents. J'ai récupéré un petit peu de trucs. Voilà. Ok, donc on a fait une mini-quête, on va aller voir ailleurs, parce qu'il nous faut pas mal d'argent, parce que là juste on avait 34, sachant que je vais pouvoir en promouvoir certains. Des aguerris. Sauf que là on arrive à 211. Ça commence à coûter très cher comme, comme équipé. Il me faut... Ah, escorter un convoi. 86 à l'heure, bon, ok. Ok, on arrive à Kiev. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être aider. Bon, on va aider les ravitailleurs. 49 contre 1, ça va faire un poil d'XP pour pas grand-chose. Il y en a un. Je sais pas où il est. Ah, il est en face. Avantage de combat 48. Ok, donc là, on a une petite bataille. Où il va se faire écharper. D'accord, le mec, c'est... Allez. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Plus de canasson non plus. Oh, un taler, attention. Alors. Ok, là on est censé arriver à Kiev, hein. Voilà, c'est bon. Renommée augmentée, on a obtenu pas mal d'expérience. Kiev, aurais-tu une mission pour moi? Oui, mais ça, je peux pas le faire. Toutes les missions de... Bon, je vais essayer d'en faire une si ça se représente, mais... Mais c'est pas des missions qui m'intéressent, moi je veux... Ok, on va la faire. La guerre qui opposait Manat aux Cosaques aux Républiques de Pologne a mené notre bourg au bord de la ruine. Ok. D'accord. Un des deux seigneurs, voire un des deux. Mais ça je peux pas faire. Je peux pas les battre par la force, c'est débile. Un des seigneurs de la région, je vais avoir du mal à me battre tout seul contre ce seigneur. Bon. Escorter un convoi, ok. Ok, on arrive à Tchersek. Voilà, en plus on a augmenté de niveau. Ça tombe bien parce que 126 à l'heure, c'est... comme là on est assez short. C'est plutôt pas mal de récupérer un peu d'argent. J'ai augmenté ma santé parce que j'aime pas crever comme un débile. Ah oui, pourquoi j'ai augmenté les armes à feu alors que j'en ai plus? Bon, ok. Je suis débile. Je peux pas vous aider. Pas vous aider avec cette histoire de guerre. Ils veulent que je les aide, mais moi je peux pas vous aider. Escorter un convoi. Ok, ça fait toujours un peu de thunes. Hein. Ok, on vient d'arriver à Lviv. D'ailleurs, ça nous permet de gagner un max d'expérience. En fait, j'ai remarqué ces quêtes d'escorte. Ça fait pas gagner beaucoup de thunes, mais alors niveau expérience, c'est vrai que ça dose. Du coup, voilà, je suis hop, passé niveau 6. Je regarde ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? On va augmenter l'organisation d'inventaire, voilà. Toujours bien. Alors, donc, c'est pas très viable comme système quand même. Escorter un convoi, encore? Bon, je veux bien, ça fait toujours l'XP, mais pour l'instant, c'est pas très viable comme, comme façon de faire. Faut que j'aille où? Réval. Réval. D'accord, c'est là-bas. Ok, bon bah je vais continuer à faire ça, ça fait de l'XP, ça permet de buffer le perso. Merde, je suis où? Ok, je suis là.
Je vais continuer à faire ça. Allez, on y arrive. Par contre, il faut vraiment que je réfléchisse à un système qui me permettrait de gagner un peu plus de thunes sur le long terme, parce que là, ça pue du slip. Ok, on a encore augmenté un peu notre renommée. Je suis à combien en renommée, tiens? 23, c'est un peu pourri. Hein. Il m'en faut plus. Alors, avez-vous un travail pour moi? Oui, non, mais ça, je peux pas vous aider. On va aller voir la taverne, histoire de... Cavalier vers semaine. Ancienne reine Christiana. Ah, là, c'est... Marchand d'esclaves, j'ai rien. Yelessei. D'accord. à l'heure. Ok, on va dire que c'est quand même un héros, ça peut nous aider. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que la mission c'est pourri. Alors il essaye tuer. Oh, okay. Fais voir ton équipement. Ok, t'as pas un équipement de fou, mais j'ai rien d'autre à te proposer. Compétences, t'es niveau 5, t'es bon en ingénierie. Oh, on a un bel ingénieur athlétique et qui s'est bien monté à cheval. Ça, c'est assez disparate, on va dire. Par contre, le fait qu'il soit ingénieur, c'est cool le jour où on aura un siège à faire. Sauf que là, actuellement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas affilié à un royaume. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on soit affilié à un royaume. Et pour ça... C'est quoi cette mission? Ah oui, je crois que c'était tuer tout le monde autour. 218 à l'heure, oh là là. Ça me coûte très cher de m'occuper de tout ça. Bon, encore un convoi, hein, pourquoi pas, ça fait plein d'XP, ça qui est cool. Bon, ok, on arrive à Siege. J'aimerais faire autre chose que des escorts de convoi, parce que bon, ça fait un peu de thunes, mais... C'est pas assez, 191, je vais encore te payer 218 à l'heure à mon équipe. Pas ouf. C'est pas ouf. Oh là là. Tiens, mentor, ça serait cool. Au moins qu'on ait un point, qu'on gagne un peu d'XP quand on fait rien. Ok. Escorte de convoi encore. Allez, une dernière. On va dire une dernière. Après, il faut vraiment que je trouve autre chose. Faudrait que je me trouve un roi de quoi que ce soit et essayer de faire une mission pour lui. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu la merde. Chekerx. C'est où ça, Chekerx? Ok, donc d'ailleurs, notre nouveau héros vient de monter au niveau 6. Ce qui est cool. Très intelligent, lui. Je vais monter ton sens du commerce. Peut être cool. Ok. Ah, on a des fantassins prêts à être bridés. Ok. Donc là, il nous faut... Il nous faut discuter. Il faut qu'on fasse... Il faut qu'on soit... On soit vassal. Ok, d'accord. On va faire d'autres choses. Il y a un... Ok, bah tiens, pour une fois, on va faire autre chose, on va faire une nouvelle mission, tête mise à prix pour 300 à l'heure. C'est un bandit qui est réfugié à Rudnia. Ok. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on fasse de meilleures relations. Bon, il faudrait que je trouve le chef de Moscou. Je sais pas qui est le chef de Moscou, on regardera ça plus tard. Déjà, on va faire ça, il faut qu'on aille, du coup... il serait actuellement à Rudnia. Qui est où? Je cherche. Rudnia. Ah oui, c'est pas à côté quand même. Bon, on y va. Hein. Ok, donc là on est arrivé à Rudnia. Il faut qu'on le trouve. On va aller dans le centre du village. Il faut qu'on trouve ce bonhomme parce que 300 à l'heure, on va pas cracher dessus. La question est, c'est où est-ce qu'il est?
Il doit se cacher quelque part. Mais où? Là, il y a des chevaux. Est-ce que c'est derrière les maisons ou alors il faut qu'on demande à des villageois? Je cherche. Toi, tu me sembles suspect. Tu arrêtes, t'as arrêté de bouger. Homme nerveux. Ah oui. Ok, je me casse, parce que je prends très cher, et je vais me mettre à pied. Viens là. Non mais... Allez, viens là. Attends, les rouges de sang... J'aime bien les gens qui passent à côté autour, tranquillou. Arrête de reculer comme ça. Voilà. Relation avec Runia détériorée. Je m'en fiche. Parce que du coup, on va pouvoir aller rendre la quête. C'était où? Où qu'est que c'était? Ah oui, c'était pas à côté. On va pouvoir aller rendre ce quête et après on va essayer de s'occuper de faire un gentil. Oula, il y a une campagne. De faire gentil avec les gens de Moscou. Ok, on va rendre la quête. Voilà, c'est bon. Nickel. Une lettre à seigneur de guerre Junas de la République de Pologne qui se doit se trouver actuellement à Lubin. Ok. On essaie d'augmenter nos relations. Il se trouve actuellement à Lubin. Lubin qui est où? Il y a trop de trucs. Ah oui, c'est pas à côté. Bon, on va essayer de le choper. C'est pas dit qu'on arrive à le trouver tout de suite. Alors, on y est. Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est toi? Ah oui, je crois que c'est toi. Nickel. Du coup, ce qu'il nous faudrait savoir, c'est qui est le chef de Moscou. On va essayer d'être gentil avec le royaume de Moscou. Je vais augmenter, hop, un peu tout ce monde. Oh, 251, ça va être quand même compliqué, tout ça. Donc, rapport. Non, c'est pas rapport que je cherche, c'est... quête. Personnage, voilà. Qui est le roi de Moscou? C'est le tsar, hein, souverain du royaume de Moscou. Il était près de Smolensk. Ok. On va essayer de le trouver. Oh, j'arrive pas à me repérer sur cette carte. Smolensk, c'est pas à côté, c'est où? Ah d'accord, c'est là. On va essayer d'aller le choper. Il faut qu'on le trouve. Parce que ça pourrait être très intéressant. Histoire de faire un peu de la lèche au roi et de se retrouver avec un petit fief. Et là, on va enfin pouvoir démarrer un petit peu le jeu. Alors. Il n'y a pas de roi. D'accord, il n'y a personne. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il me faut que je trouve le roi. Je sais pas où il est. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres nobles dans le coin. Ah, il y a des bandits. Je crois que je peux pas les choper, ils sont trop là. Là, il y a l'entraînement qui permet d'améliorer pas mal d'unités. Par contre, ça me coûte de plus en plus cher. Voilà, évidemment. 264. Il faut vraiment que je me trouve un fief, sinon on va pas y arriver. Prince Yakov Kacherski.
J'ai quelque chose à vous demander. Je veux savoir où se trouve quelqu'un. Où est le tsar? Près de Taipio. Taipio qui est... Qui est où? C'est où? Oh, j'arrive pas à me repérer. Taipio. Où qu'est-ce c'est? Quête. Dieu, Taipio. Athée. Royaume de Suède. Donc c'est dans le nord. Ah oui, c'est pas à côté non plus. Bon. C'est pas à côté du tout. Oh. Tireur d'élite de la section secrète et bandit. 39 contre 1. Lol, il y avait une guerre. Il y avait une bataille, on va essayer de s'incruster. Monter un petit peu nos unités. Il est tout seul à pied. Oh mon dieu, que c'est rigolo. Ah oui, par contre, il tire. Faut vraiment que je trouve un moyen de me choper suffisamment d'argent pour pouvoir m'équiper sur le long terme. Parce que là, ça va pas du tout. Bon, voilà, il est mort. Ah bah voilà. Et hop, une arme à feu. Comme quoi. Je vais demander... Voilà. J'ai quelque chose... Où se trouve quelqu'un? Où est le tsar? Près de Vilnius. Ah, Vilnius, je sais où ça se trouve. C'est là. Ils sont en campagne contre la République de Pologne, j'ai l'impression. On va essayer de voir ça. Il faut vraiment que je le trouve et ensuite on va gérer... On va essayer de gérer la suite. Le roi... Ah, il est là! Oh oui! D'accord, il faut encore que je montre que je suis un commandant compétent. Avez-vous une tâche quelconque? Ah oui, d'accord. Le cinquième. 4000. J'aimerais bien. Où est le seigneur Prus? À tout là, d'accord. Je vais essayer de faire ça, en espérant que ça passe bien. Tout là, où est tout là? On va essayer de faire ça, et ensuite je pense qu'on arrêtera là l'épisode. Tout là. Royaume de Moscou. Alors... Tout là. Ah oui, c'est là. D'accord. La carte est tellement grande. D'ailleurs, faut que je vérifie un petit peu. Inventaire. Ah, ça va, j'ai encore un peu de nourriture. Ouais, je m'en occupe aussi. On va essayer de récupérer. Hop. Alors, il est là. Ok, d'accord, il dit non. $800 à l'heure, attendez. Je fais un calcul. 800 à l'heure. Il me donne un cinquième de 400. Donc 400, de 4000, 4000 divisé par 5. Pas pratique. 800 à l'heure. Je vais essayer de le persuader, ça m'étonnerait que ça passe. À chaque fois que vous essayez d'être sensé, vous saurez proférer des paroles... Ok, d'accord. Je me suis raté. Ok, d'accord. J'ai perdu 860 à l'heure. Est-ce que ça va être rentable? Je suis pas sûr. Je vais aller demander où est le...
C'était bizarre, je lui ai demandé un truc, il m'a demandé de l'argent pour que je lui en reprenne plus. Ouais, c'est un peu bizarre. Où est-ce qu'il est, le tsar? Château de Dvinsk. Oh, il y a de ces noms. Dvinsk. Il est là. En espérant que ça... J'arrive assez vite. Ça m'étonnerait, mais bon. Il sera peut-être encore dans le coin. Y a personne. Si, y a peut-être quelqu'un. Y a quelqu'un. Général Gustav Everson Horn. Où est le tsar? Ah mais lui, il peut pas me dire, c'est pas la même faction. Ok, on se casse, il faut que je trouve le tsar. Où est le tsar? Où est le tsar? Alors, il y a qui ici? Colonel Andrzej Machin. Ah oui, mais non, c'est même pas la même faction. Attendez. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Porter un message à son regard, Alexander Rodzinski. Il est où? C'est pas ça que je voulais faire. Oh, du coup, j'ai une autre quête en plus. Il serait à la forteresse de Knovo. De Kovno. Forteresse de Kovno. C'est où? J'ai encore devoir courir après quelqu'un une nouvelle fois. Ah non, mais ça c'est la République de Pologne, ça appartient pas à Moscou. On va essayer d'aller voir à la forteresse de Kovno en espérant qu'il bouge pas trop ce mec. Aïe, j'ai bien peur qu'il ne soit pas là. Ah si, c'est bon, il est là. Ok, c'est bon. C'était un peu débile parce que du coup, ça n'a pas servi à grand chose. Moi, il faut que je retrouve ce satané. Ce satané de tsar. Parce que là, on va galérer. Faut vraiment que je le retrouve. En plus, j'ai plein de soldats qui sont prêts à être promus, donc... Il me faut de l'argent. Prince Andrei, machin. Il ne sait pas où il est. Génial. C'est pas ça la réponse que je voulais, moi. Moi, ce que je voulais, c'était je sais où il est là. Point. Prince machin. Alexei Bidule. Il sait pas où il est, mais oh! Il a disparu? Débile. On a perdu le tsar, ça y est. Il a disparu. Y a personne, y a personne. La galère, courir après le tsar. C'est débile. Noble Maria, c'est cool. Non, mais moi je veux savoir où est quelqu'un. Je m'en fiche de toi, je veux juste savoir où est le roi, le tsar. C'est presque un roi, c'est pareil. Seigneur de guerre, Fyodor Violonski. Il sait pas où il est. Ça commence à me péter les noix. Pour rester poli. Ah, où est-ce que je peux aller chercher? On vient de Koursk. On va aller voir ailleurs. C'est moi ou je vais vraiment plus avoir de thunes? Ok.
Je vais vraiment plus avoir de thunes si je rends les 4000. Non. Merde. D'accord, bon, il faut que j'aille à Moscou. D'accord, mais ce que je veux, c'est... Il sait pas où il est. Bon, ok. On va passer à Moscou et en plus, et on va arrêter là l'épisode parce que là, ça commence à m'énerver un peu. Je vais faire une pause. Parce que courir après ce tsar qui semble avoir disparu, je sens que je vais me finir par me barrer avec les 4000 en ayant la conscience tranquille parce que j'ai pas réussi à trouver une seule fois ce satané tsar qui semble avoir disparu de la circulation. C'est un peu idiot pour un tsar. Oh merde. Dysenterie. Pas cool. Là là. Donc il faut que je me repose dans une taverne, sinon, voilà, évidemment, à cause de ça, on a des morts pour cause de dysenterie. Pas cool, pas cool, pas cool, y a tout qui me tombe sur la figure. Alors, j'ai une lettre, voilà. Il sait pas où est le tsar, ok, c'est cool. On va attendre un certain temps, en espérant que ça va... Ok, moi ce que je veux c'est qu'il n'y ait plus de dysenterie dans mon groupe. Ok, plus de dysenterie. Nickel. Je vais juste regarder un petit peu mon inventaire. Oh, ça craint, ça craint, ça craint. Et en plus j'ai pas assez d'argent. Bon. Ok, on va arrêter là l'épisode. C'est la grosse galère. Pourtant je pensais être un peu reparti. Mais là le tsar il a disparu. Il est disparu dans les méandres du jeu. Il faut vraiment que je le trouve, que je le rende ses sous, qu'il m'en redonne un petit peu. D'ailleurs, ça n'a pas du tout été rentable à cause du fait que j'ai dû payer quasiment la somme que j'avais en argent qui va me redonner. Du coup, c'est débile. Bon, ça m'énerve un peu, mais je m'accroche. Je m'accroche. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous c'est toujours pas fait. Et puis voilà. Quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!